bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir. Je salue Jean-Bert Philippe, je salue une des capitales fédérales américaines à Washington DC. Je dis à moi en base. Donc, et ça, la FIEF Coupe du monde de football féminin pour démarrer là dans moins de à peu près 48 heures. Et donc, je dis à 18, donc, je m'en vais dans 48 heures. Et grand programme de mon actualité, c'est toujours là aussi qu'on continue à payer plus loin et l'Ukraine. Pendant que l'Ukraine a toujours une promesse des pays occidentaux, donc surtout l'OTAN, et parce qu'il y a les États-Unis qui ont toujours un support pour lui continuer à combattre et monsieur pour reprendre le contrôle du territoire qui est en bas de monsieur. Et puis, pratiquement, l'autre grand point qui domine l'actualité, c'est dans le pays en Europe, là, dans Bruxelles, en Belgique, côté une réunion CELAC, c'est pays Amérique latine avec Caraïbes, qui a pris un contact avec l'Union Europe. Et ils sont en compte depuis deux jours, pratiquement en compte 2 juillet. Donc là-dedans, il y a le premier ministre haïtien Ariel Henry, qui est présent dans le compte CELA en tant que pays membre. Et puis il y a eu pour parler. Et on fait une discussion sur les relations. Renforcer la relation entre l'Union Européenne avec les pays CELAC. Et surtout les relations commerciales, mais pays surtout ont cherché de nouveaux accords qui pour gagner, par exemple, le Brésil qui a fait même demande en Chili, qui a fait même demande en Chili. Et en fait, le gouvernement espagnol, le premier ministre espagnol, lui-même tout, lui parlait de nécessité pour un accord entre tous les pays dans la région, surtout le Mercosur, qui s'est marché. Et Amérique du Sud là. Donc il y a une nécessité pour un accord. Et puis il y a des pays qui souhaitent qu'à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'à la fin, et sommet ça, il y a une déclaration finale qui a donné un cap inclus là-dedans, réparation par exemple pour le système pour les esclaves, on est l'Union Européenne là pratiquement, et impliqué en pile dans le système esclavagiste là, donc les réparations et puis tout pour le génocide, tout est fait pour le peuple indigène. Ça, c'est une déclaration du Premier ministre de Saint-Bernardin Gonzalez. Il fait que lui-même, les Églises pays, dans la déclaration finale, pour des questions, ça, l'absolu, écrit, l'absolu, sur balade, pour une question qui parle de réparation esclaves africains. Pratiquement, c'est ça. Et puis, Dominicani, et jusqu'à au mois de juin, et d'après les chiffres qui sont annoncés, la République dominicaine est déportée près de presque 27 000 Haïtiens, malgré l'appel qu'a lancé pour demander au gouvernement dominicain pour lui faire camper sur la déportation. Alors, dans ça, qui passe dans la déportation, c'est que quelqu'un est déporté, qui est légal dans le pays. Et depuis qu'il y a un abus pour commettre tout dans la déportation, il y a quelqu'un qui est légal, il est déporté quand même, alors que quelqu'un est légal dans le pays, il y a des documents légaux dans le même. Donc, mais les critiques qu'on a faites, par exemple, dit que la République dominicaine n'a pas respecté et a concrété ça avec Haïti pour déporter les gens, pour déporter dans une zone qui contrôlée, sous frontière, en zone où il y a l'immigration, la douane, dans une zone qui contrôlée, et puis il n'y a pas déporter les gens. Après 6 heures du soir, mais aussi c'est le contraire qui fait. Mais les Dominicains dit que les mêmes qui savent faire, c'est grand monde du pays, la plus fun. Territoire, donc il y a pas des problèmes, mais pas qu'Haïti dit qu'il ne pas accepter, non. Mais Haïti dit qu'il faut faire la condition que les deux fêtes et façon que mène les gens venir sur le frontière, il n'y a pas respecté les normes. Il y a une organisation qui a défendu les États-Unis autour, en Haïti et en République dominicaine, donc qui dénonçait et question ça. Et puis, on perd là, dans Cité Soleil, et bien, monsieur Yves et monsieur. Fait la travail là pour nous avec grand ami là, si grand ami t'a joué une trêve entre eux, puis t'as suspendu le gouvernement. Bon. Il y a des organisations qui ont genre et réserve. Sujet fort, mon père fait pour voir si monsieur t'a déposé les amis et suspendu le gouvernement entre eux. Mais il dit que la pêche fait fort quand même. Donc, gang qui était déjà annoncé dernièrement, ils font trêve entre eux. Pour décision de bataille, bon, l'organisation doit humaine dit que ça c'est pour décision de bataille entre eux dans fief. Ça va vous dire que monsieur va sortir dans la réal, faire des ordres, ça va vous dire que monsieur va sortir dans la réal dans le monde. Ailleurs, c'est activité qui
kidnapping ont commencé encore même gens. Et malgré que l'appel qu'a passé pour la police nationale là, de chercher ouais, si est capable de frapper ou bien encore casser feu, nèg, feu monsieur et Amissar qui continue l'opération pour la prière. Entre temps, on a dit que Marie, journaliste et Marie-Lise Bonhomme, et ancien président du conseil électoral provisoire, et Pierre Léopon, monsieur toujours dans la main, monsieur, et mon gros problème de pour lui. Mais il savait que, d'après ça, Marie-Lise Bonhomme dit, comme ça, on ne peut pas un mois, et pas plusieurs mois comme ça, et on va gagner, je ne sais pas, non, parce que il y a pour la vie, ça a demandé, ça a demandé, on a demandé libérer monsieur, parce que monsieur est malade. Et que M. Mérité pour le traitement, etc. Mais au moins, il était annoncé que le 14 juillet passé, et dans le même monde, il était pour un médicament. Voilà. Et puis, dans le premier ministre, il a eu pratiquement depuis du samedi, M. Bati, M. Kitaïti, M. était exactement dans Bruxelles pour participer à la réunion. Dans la réunion ça. Et sur une pigarre, et puis les participants ici, mais nous connaissons que le dossier Ukraine NATO, il était une audience sombre. Et ça a été de discuter comme ça, puis parce que l'Union Européenne, tout, la guerre de la caillou. Donc, bon, attention spéciale pour ça qui a passé en Ukraine. Les gens eux-mêmes qui ont défendu. Voilà, et puis, on a parlé de football, mes amis. Bon, d'après nouvelle qui sorti, je dis à moi, et Fédération Football Haïti a publié une photo. Avec tous les joueurs et staff et cette fédération, donc ça veut dire que sélection libérée pour la jouer et peut-être faire miracle si possible. Mais le premier adversaire Haïti, c'est l'île d'Angleterre qui est champion anti-Europe là. Et le deuxième adversaire, il y a la Chine qui est une équipe qui revient en finale déjà face à l'États-Unis. Et puis, le troisième adversaire, c'est l'équipe d'Allemagne. Là. Pour ne pas prendre le propre de lit, il savait sur l'équipe qui va nous faire cadeau. D'après ça, on fait une Danois déclaration, on fait une Danois. Donc, après tournoi, ça, nous allons regarder un autre tournoi. Nous allons regarder un autre tournoi qui est pour nous, c'est la Ligue. Là, nous avons été trouvés dans un groupe. Côté lui-même, il a l'ouest, il a arrêté pour défendre et arrêter dans l'X. Donc, nous avons commencé en septembre. Et là, ça a été le premier adversaire qui a été contre Cuba. Ensuite, il a été pour le côté Jamaïque à deux reprises. Et puis, il a été pour le côté avec Suriname. Tout. Donc, c'est quatre matchs qui ont annoncé. Et qui finit pour le premier, il a fait battre l'autre pour emporter. Et puis, la compétition, la paix continue. Donc, ça concerne les frontières et États-Unis-Mexique, et bien, autorités mexicaines ont découvert un gros camion qui était chargé avec mon là-dedans, qui était près de 200 immigrants là-dedans. Parmi eux, c'était un petit monde, un petit monde là-dedans. Et bien, heureusement, ils ont campé les camions et ils ont débarqué. Ils ont dit, non, pas qu'ils ne savent pas chauffeur, mais c'est des immigrants qui étaient certainement tapés des têtes. Ça passait dans la zone vers la Cruz, et ces immigrants tapaient des têtes sur la frontière. Donc la police campait un camion, il a fouillé le lit, il n'y a pas de monde qui était fermé en dedans. Donc voilà, parfois dans le cas ça, le chauffeur est capable de faire chaud tout parce que c'est lui-même qui est considéré comme contrebandier parce que c'est lui qui a transporté le monde. Il y a une actualité encore, il n'y a pas de possibilité de mauvais temps capable de passer sur Haïti. Et dans le cas de là, donc mes amis, préparez-nous. En conséquence, et puis. Chalet, bon monde a tout été mais ça va être dit. Chalet assez yon. Et pas un courant, donc on ne peut pas ouvrir, penser à la tête de frais. Donc, bon, allez camper. Si tu as un bon pied bois, au moins de la nage, un petit fréchet, mais aussi pas sur la rue. Il y a même bon ici à là, l'air là pas bon, même l'air là, mon qui a un problème respiratoire, il m'a demandé au retourne dans le cas parce que l'air là n'est pas bon, et puis chaleur, bon chaleur qui est vraiment moins côté de là. Soumets ton jeu, soumets là la fruit pour manger. Vous imaginez nos clients chaleur à fort là. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre, nous allons aller parce que en tant qu'à au moins nous consommons un pile liquide, un pile de l'eau et qu'au de bois dans le moment ça. Mais salutations à tout le monde parce qu'ils ont une bonne fin de semaine avec VOA.
semaine li long, c'est vrai, je dis assez seulement mardi lié. Et puis nous connaît que Aïcha paye pour fête là, c'est pour la fête sans fête là. Dans quelque côté déjà il y a une activité qui a mené. Et voilà. Donc n'a pas midi encore, si je dis à quelqu'un qui là, c'est lui qui a présenté le journal là. Et puis nous avons un voyage spécial nous tous qui va aller couvrir la Coupe du Monde de football féminin, c'est Valérie Saint-Louis avec Gentil Augustin. Donc il y a des nouvelles pour nous, il y a va dire nous qui ça qui a passé l'autre bois, qui j'ai communauté haïtienne et qui j'ai sélectionné la débrouille dans la Coupe du Monde ça qui a participé pour la première fois. Bon après-midi.